site de la Côte était l'hôte de la 15e édition du Symposium de peinture figurative de l'étang du Nord. Paysages grandioses et inspirations étaient au rendez-vous, comme le souligne l'artiste Claude Bonneau, président d'honneur de l'événement. C'est vraiment un endroit merveilleux pour tous les artistes qui viennent peindre ici. C'est la fête, c'est la détente, c'est vraiment un endroit où le touriste vient. Les peintres qui sont avec moi, on a toujours hâte de venir ici. C'est un endroit qui est, que je vous dirais, quand on devient président d'honneur d'un événement comme ça, je peux vous dire qu'on a des téléphones. Hey, j'aimerais ça, mais on sait que c'est quand même limité et des artistes de haute qualité qui sont ici aujourd'hui. On va peindre toute la semaine ici, mais on vient pas peindre, on s'en vient en vacances. En fait, le symposium, ça consiste à inviter 10 artistes peintres aux îles de la Madeleine et qui viennent nous faire découvrir, en fait, la façon dont ils voient les îles, donc la manière qu'ils la perçoivent. Alors, on peut voir nos paysages qui sont déjà merveilleux, mais sous les yeux d'artistes peintres, alors on découvre des fois des choses merveilleuses de cette façon. Généralement, les symposiums, ils accueillent beaucoup plus d'artistes que ça. Ça fait qu'on a une bonne qualité d'artistes. On incite en fait les peintres à ce qu'il y en ait toujours qui restent ici à la boîte à chansons pour que les gens puissent toujours leur parler. Mais aussi, on les incite à aller découvrir autre chose que la côte, donc vraiment de partir d'un bout à l'autre aux îles. Ils sont super accessibles, c'est vraiment des gens très sympathiques. Ils sont là pour parler aux gens, ils sont là dans le fond vraiment pour expliquer ce qu'ils font. Il y a personne qui sont ben ben hautains, ils sont vraiment sympathiques. Donc ça vaut la peine de venir leur jaser un peu là. Il y a comme 2-3 symposiums de peinture qu'on pourrait dire qui sont les gros événements là. Celui des îles fait partie de ces 2-3 symposiums de peinture-là qu'au Québec, on pourrait qualifier d'événements majeurs pour les artistes. Un événement comme ça, c'est très, très important pour une région. Vous savez, la peinture, c'est comme le vin. Il faut y goûter pour apprendre à l'aimer. Les artistes qui viennent ici, ils amènent leurs connaissances, ils donnent des choses. Puis les artistes d'ici, eux autres, ils ont déjà leurs connaissances aussi. Sauf que de voir un événement comme ça, de voir les tout-petits qui viennent nous voir puis disent « Ah, un jour, moi, je vais être assis à leur place. »